et l'ambiance va monter d'un cran. La température de ce cast va exploser. Et il vient d'arriver. C'est Pechy. C'est non Pechy que je dis depuis le début de la journée. En fin de journée, on apprend que c'est Pechy. C'est non Pechy. Merci. Merci en tout cas de cette information pour cette finale. Sur ce point stratégique. Sur Arden Forest. On met le décompte en place. Les mains sont moites, on va mettre un peu de grip, voilà. On va mettre un peu de grip pour lancer les hostilités entre l'équipe des SNKZ moins 20 contre les Clutch et Sniping. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Arden Forest, sur le point stratégique. On voit la petite animation toujours sympathique hein, du départ. Voilà, on voit les endroits stratégiques de cette carte. Pour démarrer les hostilités entre ces deux équipes. On est en place. On va prendre chacun son sniper. Avec les joueurs des SNKZ qui sont en bleu et sur votre gauche. Et les joueurs des Clutch Sniping en rouge sur votre droite. Natsu, Shock, Avanchi, Pechy. Ainsi que les joueurs des SNKZ avec Natsu, Zido, Vulka et Nawaki. C'est parti, c'est maintenant, c'est la finale de ce tournoi E-Sniping Home organisé chez Glory4Gamer entre les joueurs des SNKZ moins 20 et les joueurs des Clutch Sniping. Et c'est Vulka qui démarre les hostilités pour cette équipe des SNKZ. Mais ce sont les joueurs des Clutch Sniping qui marquent les premiers points avec Shock. Hein. Shock qui essaie de challenge. On regarde un peu dans le blanc des yeux avec les deux homologues et c'est Zido qui a fait le double kill. Bien imité par Vulka qui met son grain de sel à présent. Pechy qui vient prendre le meilleur sur son adversaire. C'est Pechy qui va bien tenir la ligne mais qui vient faire le mauvais TK sur son coéquipier. Maintenant ce sont les joueurs des SNKZ qui reprennent le contrôle encore une fois avec Zido qui vient mettre le moins 3, plein de solidité. Il vient agresser peut-être un peu trop, il vient tomber sur la balle de Shock. Shock qui vient agresser à son tour, le premier kill pris par Shock. Nawaki qui limite bien, voilà, en échange de quelques modalités. Ce sont les joueurs des SNKZ qui gardent le contrôle sur ce P1. Voilà, Vulka qui essaie de tenir la ligne. Il va pouvoir rentrer sur ce point du côté des joueurs des Clutch. On est en difficulté pour le moment dans cette deuxième phase de jeu. Les joueurs des SNKZ vite en place à présent. Zido toujours très très bien positionné. Natsu qui vient prendre le bon kill, le double kill de la part de Natsu. Déjà bien en place sur cette rotation au niveau de ce P2. Malheureusement pour lui, il va tomber sous la balle envoyée par Nawaki. Les joueurs des Clutch et E-Sniping qu'on ne reconnaît plus. Ce sont les joueurs des SNKZ qui sont très très bien en place et très très vigilants. Zido qui va faire encore une fois le double kill, le triple kill de la part de Zido. On arrivait sur la fin de sa POV. Il continue à enchaîner, mais malheureusement pour lui, il va être stoppé par Natsu qui fait également le double kill. Il va tenter de flanquer son adversaire. On se cherche un peu. On est un peu en chasse patate hein, du côté des deux adversaires. Natsu qui n'arrive pas à ajuster sa balle, malheureusement pour lui. Il tente le petit hardscope mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de son homologue en face de lui. C'est Natsu, les joueurs de SNKZ qui démarrent tambour battant dans cette finale de tournoi anniversaire de chez E-Sniping Home. Attention, le moins 2 claqué par cette équipe des Clutch. Mais tout de suite, la réponse ne se fait guère attendre avec le moins 3. Et Vulka qui met encore sa patte avec un très bon triple kill. Vulka qui vient se faire sécher au niveau de ce middle cart. Natsu, pourquoi pas pour prendre quelques kills. Mais la rotation déjà bien engagée par ces joueurs des Clutch Sniping, car voilà, ils ont énormément de points. Ils n'ont pas réussi à s'emparer des points sur ce P2. Très bonne rotation menée par ces joueurs des Clutch. Mais là, ce sont les joueurs des SNKZ qui font tout de suite le moins 2. Et là, ils sont en train d'encercler les derniers joueurs. Natsu, il est grave en difficulté. Là, voilà, mauvais timing pour lui. Il va tomber sur la balle envoyée par Natsu. Les joueurs des SNKZ qui continuent à enchaîner sous l'impulsion d'un Vulka et Zido qu'on n'arrête plus. Les deux joueurs de cette équipe. Oh là là, la collate. Là, oh là là, c'est incroyable. Le main 3 de la part de Vulka. Il est en train de complètement manger cette équipe des Clutch Sniping qui n'y arrive plus. On disait que peut-être cette équipe favorite dans cette finale. Ils sont en train de se faire complètement hot slay face à une équipe des SNKZ agressive. Encore une fois, avec Vulka, on reste sur sa POV. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de mettre, Vulka. Et là, il n'arrive pas juste à son shoot. Il va être épaulé par Nawaki et Zido. Là, on va mettre du contest hein, sur ce point. Zido qui va agresser, bien sûr, ce point. Il va tomber sous la balle envoyée par Pechy qui permet à son équipe de grappiller quelques précieuses secondes. Mais ce sont toujours les joueurs des SNKZ qui sont à la manœuvre avec un Vulka qu'on n'arrête pas. Voilà Zido l'accompagnant. Zido qui vient prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Zido. C'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de nous proposer, ces joueurs des SNKZ, les joueurs des Clutch qui n'arrivent pas à trouver leur rythme de jeu pour le moment. On voit avec Pechy, Natsu qui enchaîne encore une fois les bons kills cette fois pour cette équipe des Clutch. Mais voilà, ce sont toujours les joueurs des SNKZ qui passent à présent la barre des 100 points. Les joueurs des Clutch n'y sont pas dans cette finale. Ils n'y arrivent pas dans ce point stratégique sur Arden Forest. Natsu ainsi que Zido enchaînent les bons kills. Encore une fois Natsu. Oh là 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 là, le mauvais TK de la part de Natsu. Mais le travail est fait du côté des joueurs des SNKZ.
du côté des joueurs des clutch, on spawn au niveau de ce P3. Nawaki l'a bien compris, il vient de faire le travail avec un très bon double kill. Malheureusement, il vient se faire sécher par la balle de choc. Voilà, bon positionnement. On connaît les spawns du côté des joueurs des SNKZ. On ne laisse aucun espace à cette équipe des clutch e-sniping pour le moment dans cette finale. Natsu qui va prendre le bon kill. Déjà la rotation, ils ont bien mené cette rotation, ces joueurs des clutch e-sniping. Attention toutefois à les kills pris par cette équipe des SNKZ. Le seul kill pris du côté de chez clutch, c'est Pechi. C'est rapidement trade par Zido. Et les joueurs des SNKZ qui continuent à outslay leurs adversaires de magnifique manière. Voilà, on était un peu haut du côté de Vulcan. Alors voilà, peut-être un peu gourmand dans cette finale. Nawaki qui va se servir du soutien de ses coéquipiers, mais voilà, on échange quelques modalités mais qui tourne toujours en faveur de cette équipe des SNKZ qui domine vraiment cette équipe des clutch. Voilà, que dire de plus, on a une sec avance hein, pris par cette équipe des SNKZ. Voilà, Tatsu il a pris un moins 3 sur ce point. Malheureusement pour lui, il va tomber sous la balle envoyée par Choc. Choc qui va rentrer sur ce point plein d'agression pour cette équipe des clutch. On essaie de grappiller quelques secondes hein, du côté des joueurs des clutch, ce qui est vraiment important pour eux, l'histoire de se remettre un peu d'aplomb. Voilà, Zido qui en profite pour faire le moins 2 et calmer les ardeurs de cette équipe des clutch qui n'a marqué que 20 petits points et qui est en train de vraiment se faire dominer pour le moment dans cette finale, dans ce tournoi anniversaire de e-sniping home. C'est dommage pour les joueurs des clutch de passer à côté de cette finale. Mais voilà, du côté des joueurs des SNKZ, on est au-dessus, on domine les débats ouvertement. Zido, Vulka font vraiment une très très grosse carte. Et quand on a deux joueurs qui sont au-dessus du lot de telle manière que les joueurs des clutch n'arrivent plus à jouer, ça domine. Ça domine vraiment les débats. Et les joueurs des clutch tout de suite ils essaient de se repositionner. Voilà, là ils viennent de prendre le contrôle des spawns. Et voilà, quand on prend les contrôles des spawns avec Natsu qui avait fait tout de suite les moins 2. L'agression de la part de Vulka, encore une fois Vulka qui va faire le moins 2, il va tomber sous la balle envoyée par Pechi. Pechi qui va se positionner sur ce point et oh là là, il va tomber sous la balle envoyée par Zido au niveau du middle card qui fait le travail au niveau de ce circle avec ce très bon doublé qui va tenter d'agresser son adversaire. Nawaki ainsi que Vulka se repositionne à présent. On essaie de chercher un peu à coup de quick scope hein, pris par Zido. Zido qui va être accompagné de Tatsu pour préparer déjà cette rotation au niveau de ce P3. On est très vigilant et très agressif hein, proposé du côté des joueurs des SNKZ. Du côté des joueurs des clutch, on s'empare de quelques points poubelles. Mais je pense que ça reste anecdotique. Ça permet justement à mettre du baume au moral pour cette équipe. Oh là là, encore une fois le moins 3. Encore une fois le moins 3 de la part de Vulka. Vulka encore une fois le nouveau kill. Vulka on n'arrête plus, hein. Il est totalement dans sa finale. Il vient encore une fois de mettre un moins 2. Très agressif Vulka. Oh le lead marker. Oh le lead marker à travers le bidon pour Vulka. Et cette fois il est bien imité par Datsu. Et qui va tomber sous les balles de choc. Mais voilà, on essaie de rentrer agressivement du côté des joueurs des clutch. On essaie de s'emparer des spawns, mais ça reste compliqué quand on a une équipe comme les joueurs des SNKZ qui slay très bien ses spawns. Voilà la balle de scope qui passe hein, pour à présent pour Nawaki au niveau de ses spawns. Il va être accompagné par ses coéquipiers qui prennent le slay devant ce point. Les joueurs des clutch esports qui n'arrivent pas pour le moment à vraiment dominer les débats. Datsu qui vient faire un double kill plein de solidité devant ce point. On va sûrement se préparer à la rotate au niveau de ce P4. Les joueurs des SNKZ qui sont devant pour le moment. Et qui vont passer peut-être à la barre des 200 points. La 200 points d'avance face à une équipe des clutch sniping qui était vraiment très très solide. Et on les voyait pas vraiment se faire dominer face à une équipe des SNKZ vraiment ultra dominante dans ce point stratégique. Datsu qui a fait le double kill, qui va finir par tomber hein, sous la balle envoyée par l'un de ses adversaires. Pechi vraiment très très vigilant. Ce sont toujours les joueurs des SNKZ qui contrôlent ce point. Vulka qui va se charger de tenir la ligne. Et je pense qu'on va rester hein, sur ce score de 250 à 51 en faveur des joueurs des SNKZ qui ont clairement dominé les débats dans ce point stratégique sur Arden Forest. Attention, les joueurs des clutch sniping viennent de prendre un coup au moral. On voit hein, Vulka qui était très très vigilant. Il sortait d'un moins 3 là juste devant ce point. Là ensuite il a pu prendre un bon kill. Et ensuite, voilà, il loupait sa balle de scope. Et après, il est reparti sur la droite pour prendre le dernier kill. Pechi, c'est plus que c'était, nous dit Dragibus sur le stream. Et voilà, les clutch e-sniping qui se sont fait dominer. Hein. 13-32 pour Avenchi, Choc en 13-27. Quand on a des joueurs qui sont dominés comme ça dans les compartiments du jeu, tout de suite, ça se ressent au niveau du teamplay. Et il faut vite repartir dedans du côté des joueurs des clutch e-sniping si on ne veut pas sombrer en tout cas dans ce BO.
Parce que voilà, on sait très bien que c'est une finale, et une finale, c'est pas comme un match c'est pas un match comme n'importe lequel. On sent vraiment qu'on est vraiment très stressé, on veut vraiment aller chercher cette finale, on veut vraiment remporter le match. Et peut-être on sent un peu de stress, de nervosité du côté des joueurs des Clutch et Sniping. En face, on a une équipe des SNK Z-20 très solide, vraiment très relax, et qui ont pu montrer toute la palette de leur jeu sur ce point stratégique. Tranquille alors, c'est juste une game, frérot. Gardez la co, ok, vous faites pas vous. Alors vous faites pas vous, Luxure. Il a très bien joué tout de long de l'ODC. Bon, on l'a fait lose. On lose MDR. Donc du coup voilà, on voit quelques messages sur le chat. Et maintenant nous allons pouvoir partir sur cette SND qui va arriver. C'est une SND sur USS Texas. Et on sait très bien que sur cette carte déjà, en termes de déserto, on voit énormément de joueurs snipers. Donc voilà, quand c'est une game en e-sniping, les lignes vont être tenues. Ça, on en est sûr sur cette SND USS Texas. Qui va arriver, j'espère assez rapidement. Alors, que font-ils pour le moment? On attend visiblement quelques informations. On va vous mettre un petit son, l'histoire de patienter quelques instants. Alors, vous avez une question au sujet, c'est quoi ton prono pour reveal vs je sais plus qui? Alors je sais même plus c'est qui. Moi non plus je sais plus c'est qui, donc au final ça c'est pour le championnat, ça il me semble. Ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors tac. Je vais aller voir tout de suite. Bouge pas. C'est Extreme Reveal contre Addict. 3-0, 3-1 pour Reveal. Que font-ils pour le moment? On attend les joueurs là. On attend les joueurs. Pourquoi ils ne lancent pas une SND sur USS Texas? On va essayer d'avoir quelques informations peut-être. Ah, c'est dommage de mettre autant de temps entre les cartes. C'est un peu dommage. Bon, que c'est pas plus fluide, on n'enchaîne pas assez en fait. Ça casse la dynamique en fait du match. Et voilà, on va essayer de voir ce qu'ils font en tout cas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font. On va partir sur une SND sur US Texas et on laisse à l'HP sur Arden Forest. Ok. Les joueurs des SNKZ qui se font attendre, hein, voilà. Pour lancer la SND. Ça devrait arriver dans quelques instants. On se croira vraiment à la maison de retraite, c'est. Tu as plus de viewers, moins de. Dang, tu as pensé à recruter d'autres casters pour stream plusieurs matchs selon le gros derby. Bah, en fait, voilà, on cherche d'autres casters, mais caster ça devient une denrée rare. Ce gros, c'est pas ce qu'il fait. C'est. Wouah! D'autres casters, en fait, voilà, c'est ce qu'on parlait un peu avec Max là, de G4G. On parlait de ça justement, et vraiment il y a beaucoup moins de casters qu'avant. En termes de casters, déjà sur cette saison, il n'y a plus que quasiment que Weezer et moi qui sont actifs. Et du coup, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il manque vraiment beaucoup de casters. Et j'ai hâte qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent. Car déjà, nous on est débordés. Donc c'est assez compliqué. Ouais, du coup, voilà, ils ont décidé de changer. Je sais pas si c'est un autre joueur qui va prendre la connexion. Enfin, c'est un autre joueur qui va prendre la connexion. Natsu prend la co, donc du coup, on inverse les sides. Hein, si ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. Alors, Natsu, c'est. Mince. Alors, attendez. Alors, c'était 1-0 pour une KZ. Ok.
pour SNKZ. Pour ma part, en partie perso, on va inverser, ça fait inverser les sides. On va essayer de join Choc et ses coéquipiers. Ah, j'espère qu'on va pouvoir join, c'est bon. On va inverser les sides. Tac, on va se remettre en code casting. C'est la finale là. C'est... Oui, c'est la finale du coup. C'est la finale opposant les Clutchy Sniping au SNKZ. Donc voilà, pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des SNKZ. Moins 20, bien sûr. Je sais pas ce que ça signifie, moins 20. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez quelques informations sur ce moins 20, c'est peut-être l'âge, moins 20 ans. Comme un peu au foot, tu vois. Ça doit être ça, je pense. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient pour cette finale Glory for Gamer, le tournoi anniversaire organisé par Sniping Home entre les joueurs des Clutch Sniping et les joueurs des SNKZ moins 20. Pour le moment 1-0, grosse domination des joueurs des SNKZ moins 20 qui se sont imposés sur un point stratégique hein, qu'ils ont outrageusement dominé face à une équipe des Clutch Sniping en difficulté. Attention tout de même à ne pas les sous-estimer. Maintenant, c'est une SND, c'est un autre mode de jeu. On va calmer les ardeurs des joueurs. On va se recentrer en tout cas sur notre propre jeu. Et maintenant, nous allons voir si ces joueurs des Clutch Sniping vont pouvoir se reprendre face à une équipe des SNKZ surprenante et vraiment d'agressivité telle quelle qu'ils ont été au-dessus sur cette première carte. Et là maintenant, normalement, c'est bon. On doit être 9. C'est exactement ça, on doit être 9 dans la carte et on va pouvoir démarrer rapidement entre ces deux équipes pour cet SND. À présent, n'hésitez pas voilà, à encourager votre équipe préférée sur le chat, bien sûr, entre les joueurs des Clutch Sniping et les joueurs des SNKZ. Soit vous êtes un peu plus pour les joueurs des Clutch, tapez 1, vous êtes plus pour les joueurs des SNKZ, tapez 2. Voilà, on s'amuse un peu comme on peut. Pour cette finale d'événement, voilà, on met énormément de temps entre les cartes. C'est dommage. On soit pas beaucoup plus fluide, voilà, enchaîner les cartes assez rapidement. Je suis pas pour les clutches parce que leur vice-président m'a hack sur Dofus il y a un an et demi. Dragibus. Voilà, je balance. Oh l'enflure. Oh là 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 là. Hack sur Dofus quand même. Vous êtes pour personne, taper 3. Ouais. Moi je m'éclate comme un fou. Je m'éclate comme un fou. Du coup, que font-ils? Ils lancent quoi, Natsu? Demandez. VLKN. Ouais. Je pense pas qu'il doit être sur le stream, hein, VLKN. On attend Zido. Il est encore parti. Ah, il est encore parti, Zido. Ah oui, j'avais pas vu, il y avait Raze. Je sais pas si qui Raze. Ce diable de Zido. Où est-il passé, Zido? Après, où est Charlie? On va faire où est Zido, quoi. C'est déjà la deuxième fois, Zido, quand même, qui se barre. Alors, c'est des FR les deux équipes. Ouais, oui, c'est des équipes FR. Hein. C'est les deux structures, deux roster FR en tout cas. L'équipe de SNKZ ont été les meilleurs en ES sur tous les codes en e-sniping. Ah, ça je ne savais pas en tout cas. Je ne savais pas. Merci de me l'apprendre. Je ne connaissais pas hein, les SNKZ. On a un autre joueur qui vient d'arriver. Un joueur des Sinits. C'est à cause de SNKZ ce FDP. Ok, je redémarre ma box, nous dit Zido. Parce que j'arrive pas à join. Ah, Zido qui a des problèmes de join. Je ne savais pas. Merci de
Tac. Que font-ils? Zido, il a des, vraiment des problèmes pour Jane. Oh là 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 là. Quelques conneries sur Twitter comme d'habitude. Parce que moi aussi je commence à avoir la dalle quoi. anciennement Zenith. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Bah, après les snipings, moi j'ai pas trop suivi. Hein. Là j'ai suivi à l'époque. C'était la. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était à l'époque de Black Ops 1. Donc c'était du coup la 5 star et tout. Donc. Après j'ai stoppé les snipings, j'ai arrêté de vraiment trop suivre au niveau français et tout. J'ai arrêté de trop suivre après les snipings. Bon bah Zary, raconte-nous un truc en attendant. Bon bah voilà. Après Père Castor, on a Père Rosa, raconte-nous une histoire Père Rosa. Non voilà. Pour la simple et bonne raison, déjà bah voilà. Déjà merci à Glory4Gamer et à eSniping Home pour cet événement. Normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine, pour toutes les personnes qui voudraient être sur Paris, voilà, qui viendront à l'SFCO, normalement, je dis bien normalement, j'y serai. Peut-être pas en termes de caster, mais en tout cas en termes de spectateur. Voilà, j'ai une petite part des dons qui depuis une vingtaine de jours pour justement m'aider à pouvoir financer mon voyage. Qui me coûte sans vouloir vous mentir 128 euros pour aller à la SFCO. Autrement, voilà, on continue sur le championnat. On continue aussi, ouais, sur le championnat, sur la division 1 et la division 2. Je pense toujours qu'il y aura une saison 2. À voir après comment ça va se boutiquer un peu. Parce que beaucoup d'équipes de roster, en tout cas, split. Donc voilà, on a. Le capitaine garde le slot, comme on a fait sur la saison 1. On a énormément d'équipes qui ont voulu s'inscrire. Donc on était à plus de quasiment une centaine d'équipes. On était à 80 équipes pour les qualifications de division 2, plus les 20 équipes inscrites en division 1. Donc ce qui fait 100 équipes, j'en ai refusé je crois une quarantaine encore. Donc beaucoup de... J'arrive toujours pas à join. Par contre ouais, c'est assez bizarre. Si je l'invite, peut-être que c'est peut-être avec une invitation ça pourrait marcher. Donc ouais voilà, après on verra bien en termes de communication aussi, voilà, un Twitter est prévu, un site va être en création aussi très prochainement pour le championnat et pour faire des petits événements tranquille en online, en voilà, concurrence ou autre avec d'autres événements. C'est un événement totalement indépendant qui sera dans son coin et puis avec des petites équipes tranquilles. En tout cas. On va essayer d'inviter un peu tout le monde. Il manque une personne. Hein. Les joueurs des Clash, Nawaki. Par contre, on a un changement du côté des joueurs des SNKZ. On ne comprend pas forcément ce qui se passe. Par contre, ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est entièrement la finale, ouais, c'est le dernier match, donc, du coup, c'est la finale, la grande finale entre les deux équipes. Les joueurs des Clutch et les joueurs des SNKZ. Je sais pas ce qui se passe, ils vont changer de code, donc merci de l'information Maxime. D'en savoir un peu plus, de vous tenir le plus rapidement possible au courant en tout cas. Vous êtes toujours aussi nombreux pour venir voir cette finale d'ODC. Sniping Home. On va attendre en tout cas les invitations. Sur Fortnite. Pas sur Fortnite. Je vais pas aller sur Fortnite. Que font les joueurs des Clutch et les joueurs des SNKZ? Alors, Rosary, tu peux pas prendre la côte. Non, non. Non, non.
J'ai 10 mégas, moi j'ai une petite connexion, hein. J'ai l'une des plus petites connexions, c'est insane. J'ai jamais pu prendre la connexion sur aucun opus, j'ai arrêté déjà de jouer parce que j'ai pas de co. Donc, prendre la connexion pour ajuster le stream et caster en même temps, caster, avoir la connexion et tout, et ma connexion elle va sauter. Elle va complètement exploser ma connexion. Alors, on va essayer de rejoindre Péchy. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas du tout ce qu'ils font, j'ai aucune information là. Je vais essayer de les donner. Je sais pas ce qui se passe. Donc, je suis comme vous là, j'attends. On est en phase attentiste, on attend les joueurs. On est en train d'attendre les joueurs. Là, on Vulca essaie de prendre la co, mais Datsu peut pas join non plus. Ça casse les couilles. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, merci de l'info, Zido. C'est bizarre quand même que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se join sur cet opus. C'est vraiment chelou. Si je prends la côte, tout le monde va bucket. Parce que ouais, moi j'ai. Le problème c'est que moi je vais pas attendre 10 ans. T'sais. Je vais me coucher autrement. Non, je vais aller graille un coup quoi parce que. C'est pour ça en fait. On va attendre, hein. On va attendre du coup les informations données. Bah non, parce que moi je pourrais pas cast. Personne, je pourrais pas cast. SNKZ arrive. Ok. Ouki ouki. Putain, c'est lourd par contre. J'espère qu'il y aura 3Z. Le mec l'enflure, tu sais. J'espère qu'il y aura 3Z. Non, non, on va avoir un spectacle, ça on s'assure. On va lancer l'appli. Je veux dire. C'est pour ça, ouais, en cast. En fait, sur GB, il faut avoir une accréditation spéciale des serveurs Game Battle. C'est. Autrement, si tu l'as pas, t'es obligé de cast en off comme ça, mais je crois que c'est BRK je crois qu'il y a eu l'accréditation par Activision, si je dis pas de bêtises, pour caster la CWLFR. Si je dis pas de bêtises après, si ça se trouve, si tu viens, tu passes. Moi, normalement, je crois que t'avais l'accréditation pour faire ceci. Enfin, la gueule du top donateur, quoi. Jackie Michel, merci à toi. Merci à toi le top donateur. Quand je vois le top donateur, à chaque fois que je lance un stream, ça me donne envie énorme. J'envoie 30 euros à un pote et je lui fais un virement de 30 balles pour éviter que ce soit Jackie Michel. Quoi. Jackie Michel. Quoi. Ouais. Donc du coup, normalement, je ne sais pas qui va prendre la connexion. Donc on ne sait pas comment on va mettre les sides. Je sais pas trop. Je sais pas trop sur quel pied danser. Je vais pas d'invite. Normalement, c'est SNKZ qui va inviter. J'ai bien compris. On a toujours pas avancé. On attend. On attend. Putain, pour une finale, c'est chiant. Oh, j'aime pas attendre en plus, c'est horrible.
Yo. Yo, Broken. Oh, comment ça va depuis tant? Wow, Broken, ça fait au moins 10 ans. Broken, ça fait au moins 10 ans. Vegin SNKZ. Bon, alors, Yo SNKZ. Je peux pas. Je peux join personne. Faut une invite par contre. Faut une invite. Ouais, il faudrait une invite. Moi, j'en attends. Ah, mais j'aimerais bien manger avec ma femme en fait. C'est le problème. C'est manger avec ma femme au final. C'est pas manger, je vais pas manger sur la console, tu sais. Rejoindre personne. Peut rejoindre personne. Mince. Peut rejoindre personne. On va caster. Allez, c'est parti. C'est clair. C'est clair, ça fait tellement longtemps. Quelqu'un a une petite invitation, ce serait cool. J'ai rien du tout. Alors, tout à l'heure. Tu joues plus sur One. Non, je joue plus trop sur One. J'ai pas forcément le temps de faire même les branchements, tu vois, c'est trop long. Faire même les branchements, j'ai pas forcément le temps. En fait, débrancher ma PS4 pour brancher la One, j'ai plus forcément le temps comme avant. En termes de cast et tout, j'ai un host neutre. Vas-y, invite. Alors, c'est une invite. Visiblement, autrement, ils ont un host. Hein. J'essaie de join les joueurs. Ah, c'est bon. C'est une case de revenu. L'enflure, et hey, SNKZ, si tu m'entends, si t'es parti manger et que tu nous envoies pas un crack à grec à tous les joueurs, tous les viewers qui sont sur stream, ça va chier. Ouais, laisse tomber, Zébi la mouche. Ah mince, du coup, on doit inverser. Oh, mince, on doit réinverser les sides. Comment on va se retrouver comme des cons? Ah, voilà, on va réinverser tout ça aussi. Parce que autrement si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Après tout le monde va être perdu sur le stream et ça va être chiant. On va vous inverser ceci en termes de score aussi. Hein. Comme c'est SNKZ, c'est les SNKZ qui ont la connexion, on remet l'host à gauche. Du coup ils seront bien en allié. Et les joueurs des clutch sniping sont bien dans axe. Ça c'est le tir réglage à deux balles qui sont chiants. Il nous manque un joueur, il me semble, pour ma part. On va se mettre en code casting. Alors, clutch, on a un. Voilà, on a 15 000 specs, mais. Deux, on a deux joueurs des clutch. On a Vulka, Datsu. Ça va être hyper compliqué, hein, je crois. Oh, avec des specs en VTO là, tu sais. Il y a un host, deux specs. Oh, j'espère qu'il est grosse, quoi. Ouais. KZ. Alors on a deux joueurs de chez Clutch, je crois. Trois joueurs de chez Clutch. On a Vulka, Zido, Natsu. Il nous manque Natsu d'un côté. Il nous manque un joueur de part et d'autre. Nawaki qui vient d'arriver, il nous manque plus que Natsu. Voilà, Natsu normalement qui devrait arriver. Ah non, c'est encore un spec. Encore un spec qui vient d'arriver. Par contre, ouais, voilà quoi. Les mecs, ils sont 15 000 specs, il n'y a même pas les joueurs. Je pense qu'ils vont devoir ouvrir à 15 000. Ça va être un bordel. C'est un bordel. Il y a peut-être plus de specs que de joueurs. On va jouer avec les specs, tu sais. Zido, on va allier. Comme c'est vous qui avez Lost, ouais, vous mettez en allié. L'équipe qui a Lost se met en allié. L'équipe qui n'a pas Lost se met en axe. Là, il n'y a pas d'inversion de side depuis le début. Petite info. Allié, ouais, c'est bien gauche.
Et encore un spec. Youpi. Oh là là, les gens, ils sont tous en train de rejoindre. J'invitais mon cousin, mon frère, mon l'oncle. C'est ouf, les gens. Je te jure. Ah, il est ouvert carrément à 18, c'est un plus vite. Il m'a tué. Par contre, après, quand tout le monde est là, tous les joueurs, tu bloques au nombre de. Nombre de personnes. Parce qu'autrement, après, ça va rejoindre, ça va quitter, ça va rejoindre, ça va quitter. Ça va être le bordel et ça va bousiller la cour en fait. Ça va faire sauter la cour. Oh, mais ils sont sérieux, les gens. Oh, les gamins, s'abuser. Oh, c'est une blague. Moi, je vais me coucher. Une heure, on a joué une carte, les gars. Sérieux, là. Quitte et relance. Bah, ouais. Quitte et relance ton appli, quoi. Je pense qu'il a déjà fait 15 000 fois. S'il le dit, c'est qu'il a fait 15 000 fois, je pense. On n'a pas eu de problème tout l'après-midi et là du coup la finale voilà que des couilles. Que des couilles. Que des couilles. Je crois que je vais me coucher. Je... Est-ce que Natsu est là? Ah c'est bon il est là je crois. Ferme à 11 du coup. Ah, y'a tout le. Oh là là, c'est abusé, tu sais. Ils ont 15 000 à join. Oh, c'est grave la galère là. Je te jure, c'est grave la galère. Je crois que c'est l'heure, je crois, qu'il doit voir ça. Fou de concert la dalle. Putain, lance ta game, je vais te tuer. Lance ta game, s'il te plaît. Amen. Lance ta game ou on va te manger, SNKZ. En plus, cet enfoiré. SNKZ, sinon l'enflure, il a déjà été mangé en plus. Oh, alléluia. On va lancer. Alléluia. Et du coup on va pouvoir enfin partir sur cette SND sur US et Texas. Venez pas pleurer si vous avez pas la rediff ce soir. Mais ouais ça arrive après voilà on avait des problèmes pour ce joy et tout. La rediff ouais, elle va être galère ce soir, je pense qu'elle va être trop longue pour mettre ce soir, c'est à mon avis, j'aurai plus demain dans la journée. À cause de ce problème, voilà des problèmes. En plus on avait enchaîné et tout. C'était trop bien toute l'après-midi, on avait grave enchaîné. Et là du coup bah, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, ça arrive les problèmes de quoi, mais c'est si chiant on va dire. Et nous allons partir pour cette SND USS Texas entre les joueurs des SNKZ -20 et les joueurs des Clutch e-sniping dans cette SND qui risque d'être complètement folle. Tout à l'heure cette saison les joueurs des SNKZ qui s'étaient imposés lors du point stratégique. Maintenant nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer dans cette SND sur USS Texas. On connaît l'importance hein, de ces lignes tenues avec les snipers. On va avoir énormément d'importance hein, de voir Vulca tenir sa ligne à présent. Attention, il est en position de cette bombe. Et on agresse hein, tout de suite hein, du côté de cette équipe des SNKZ. Non, c'est Pechi, pardon, qui va prendre le premier kill. Le deuxième kill de la part de Pechi. Il va tomber sous les balles de Zido. Natsu se retrouve complètement seul en situation d'infériorité numérique. En situation d'un v2, Natsu, il ne sait pas que son adversaire est juste derrière lui. Et voilà, on va prendre. Ouh là là là, peut-être le turn. Et non, ça va compliquer il va se compliquer la tâche. Et première manche prise par cette équipe des SNKZ -20 avec Datsu. Datsu, oula, il a loupé sa première balle de scope. La deuxième aussi, ça aurait pu avoir son importance pour le joueur des clutches. Mais voilà, tout va bien du côté de cette équipe des SNKZ. On remporte cette première manche de cette SND USS Texas. Maintenant nous allons pouvoir partir dans cette deuxième manche avec les joueurs des clutch qui se retrouveront en phase offensive. On peut les voir agresser peut-être ce BPA. Voilà c'est le BPA très straté hein, du côté des joueurs des clutch. On va tout de suite agresser ce bomb site B. Oh bomb site A pardon. Oh le kill de la part de Natsu qui vient de complètement détruire Nawaki. Le bon kill de Avenchi c'est sur Vulca. Situation de 4v2. On a une expiration du délai maintenant du côté de Pechi. On va devoir terminer la manche quoi qu'il arrive.
Et Zido qui vient de taper du poing sur la table. Choc qui se retrouve complètement seul maintenant. Bombe posée en faveur des joueurs. Des clutch et sniping. Datsu et Zido qui vont tenter d'aller chercher leur adversaire qui n'est autre que Choc. Choc qui va avoir un duel, qui va remporter son premier kill. À Choc qui regarde le mauvais côté malheureusement pour lui. Et en face de lui il a Zido. Zido il a loupé sa balle de scope. On va jouer un peu au chat et à la souris du côté de Choc. Et attention, Zido il est en train de l'agresser. Zido, pédale au montage. Ouh, Zido qui va aller chercher le kill. Va-t-il pouvoir désamorcer cette bombe? Oh, ça va être juste. Oh, ça va être juste, mais il me semble que ça passe pour Zido. Qui va permettre à lui et ses coéquipiers de mener 2 à 0 peut-être. Et ça passe. Oh là 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 là. 2 à 0 avant de relancer cet SND. Avec un problème de connexion du côté des joueurs des clutch et sniping. 2 à 0 en faveur des joueurs des SNKZ. Voilà, on a pu rejoindre du côté de Péchy. Est-ce qu'on va pouvoir jouer la manche? Oh là là, on pourra même jouer la manche. C'est parfait. À la seconde près pour le joueur à déclencher sniping. On va pouvoir enfin relancer sans problème et sans restart la carte. Et 2-0 en faveur de cette équipe des SNKZ qui partent en phase offensive à présent. Attaquant encore une fois ce BPB. Visiblement, on a beaucoup straté du côté des joueurs des SNKZ sur ce BPB. En général, on voit beaucoup d'attaques sur le BPA. Mais voilà, on tient tellement bien sa ligne du côté des joueurs des SNKZ qu'on peut se permettre de rapidement se positionner sur ce bomb site. Oh là là, le hitmarker. Voilà. Quand on met une balle en welding, ça peut faire hitmarker. Situation de 3v3 à présent. On va essayer d'amorcer la bombe du côté des joueurs des SNKZ. On les voit, ils essayent de tenir leur ligne. Ah, Nawaki qui prend le meilleur sur son adversaire. Et la situation de 3v2 à présent. Là, on complique la situation. Choc qui prend le meilleur sur Zido. Natsu qui vient de tomber sous la balle de Nawaki. Choc qui se retrouve en situation de 1v2. Maintenant 1v1. Car il prend le meilleur sur Nawaki. Vulka vs Choc. Choc vs Vulka. Choc, que va-t-il nous proposer? Il est en situation compliquée. Vulka est au niveau de ce top. Choc qui va tenter la diffuse. Choc qui tente la diffuse. Ça peut passer pour Choc. Et non, il va tomber sous la balle de son adversaire. 3-0 pour cette équipe des SNKZ pour le moment dans cette SND. Ils sont bien entrés dedans, les joueurs des SNKZ qui continuent sur la même dynamique qu'ils avaient imprimé déjà lors du point stratégique précédent face à une équipe des clutch et sniping qu'on ne reconnaît plus et en grosse difficulté ce soir. Les joueurs de cette équipe des clutch et sniping qui seront en phase offensive avec Péchy. Péchy qui a eu un problème de connexion, qui a pu revenir pour relancer et repartir avec ses coéquipiers. Et c'est Natsu qui prend le meilleur sur Nawaki, le bon kill de Zido, le bon kill de Vulka. Attention, on reprend la supériorité numérique pour cette équipe des SNKZ. Oh, le bon positionnement, Natsu qui se retrouve complètement seul et qui va tomber sous la balle de son adversaire. Les joueurs des SNKZ -20 qui mènent sur le score de 4 à 0 face à une équipe des clutchy sniping en grosse difficulté. N'hésitez pas à faire du bruit sur le chat pour cette équipe des clutchy sniping pour permettre, pourquoi pas, leur donner un peu de vigueur et de vigueur en tout cas, leur permettant de se relancer dans cette SND. Car voilà, les joueurs des SNKZ sont vraiment très en place et très solides pour le moment avec Vulka, avec Zido. Zido qui a toute son importance dans cette line-up des SNKZ ce soir. Il va être accompagné de ses coéquipiers. On va encore une fois strater ce BPB. On voit beaucoup moins cette strat BPB, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien pour le moment pour cette équipe des SNKZ. Donc pourquoi s'en priver? Nawaki qui fait un travail exceptionnel encore une fois. Vulka il va agresser et voilà, il se fait un peu avoir à ce petit jeu du chat et à la souris avec Avanchi. Il va tomber sous la balle de celui-ci. Situation de 1v2 maintenant. On se complique la situation du côté des joueurs des SNKZ. Choc et Avanchi vs Zido. Zido, que va-t-il nous proposer? Il est déjà en 6-1. Il fait vraiment pour le moment une très belle carte. Et va-t-il pouvoir s'en sortir de cette situation périlleuse? Bon, il va prendre le bon kill, voilà, manque de rigueur au niveau du son du côté de Avanchi. Là il est en situation de 1v1, en face de lui il a Choc. Choc il est au niveau de ses suits. Il stresse un peu Choc, il va avoir le duel. Oh, la balle loupée par Choc. Ouais, cette fois il va réussir à prendre le kill Choc et permettant à cette équipe des clutch sniping de revenir à 4-1. Faites du bruit sur le chat pour cette équipe des SNKZ -20 et les joueurs des clutch sniping. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag juste devant le nom de leur équipe pour supporter votre équipe préférée en tout cas dans ce match. Pour le moment, les joueurs des SNKZ qui dominent les débats face à leurs adversaires des clutch sniping. Mais attention à leur retour, les clutch sniping peuvent faire très mal à tout moment. Même si là Péchy il est en 0-3. Aïe 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 aïe, c'est compliqué du côté des joueurs des clutch et sniping. Choc et ses coéquipiers ont décidé d'attaquer ce BPA.
C'est Choc hein, qui débloque la situation pour lui et ses coéquipiers. Nawaki qui a voulu se montrer gourmand. Là voilà, on joue beaucoup plus timing hein, du côté des joueurs des clutches. Péchi qui prend le meilleur sur Vulka. Et voilà, en agressant, les joueurs des SNKZ, ils sont en phase défensive. Je ne comprends pas pourquoi ils agressent. On doit garder les lignes. Et Natsu qui prend le meilleur sur Zido, le dernier joueur en vie, pardon, c'est Natsu. Oh! Natsu, il va réussir quand même à prendre le bon kill, mais automatiquement trade. Alors pour moi, la balle a été complètement dessus. Mais voilà, 4 à 2, les joueurs des clutches sont en train de se réveiller hein, face à une équipe des SNKZ qui sont en train de se laisser endormir sur ce style de jeu proposé par les joueurs des clutches. On a pu les voir dans un premier temps très agressifs les joueurs des clutches et ça ne fonctionnait pas. Ensuite les joueurs des SNKZ qui nous proposent maintenant une trop grosse agressivité. Et quand les joueurs des clutches sont en phase de temporisation et ils tiennent leur ligne et ils attendent que leurs adversaires ne les agressent et ça tourne en leur faveur. Donc attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des SNKZ et qui sont en train encore une fois d'attaquer ce BPB avec Vulka. Avenchi qui prend le point kill, un bon kill est pris par Vulka sur Péchi. Attention hein, attention. On va tenir la ligne hein, du côté de Vulka. Situation de 3v3 à présent. Vulka, que nous propose-t-il pour le moment? Zido qui prend le meilleur sur son adversaire à particulier. La bonne revenge est proposée par Choc. Vulka en train d'amorcer. Nawaki, que va-t-il nous proposer? Il passe au niveau de ce top. Il va tenir bien sûr à distance ses adversaires des clutches. Choc qui essaie de prendre des informations au niveau de cette ligne. Mauvais timing pour Choc. Natsu qui est en train de reculer et qui va tomber sous la balle envoyée par Nawaki. Choc maintenant se retrouve en situation de compliquée, en situation de 1v2. Le bon kill, attention, proposé par Nawaki. Nawaki qui regarde cette bombe. Nawaki vient de voir son adversaire. Il vient de donner l'information à son coéquipier. Oh là là, ça passe pas loin pour Nawaki. Et cette fois ça passe. Le petit noscope qui passe pour se mettre bien pour le joueur de cette équipe des SNKZ-20. C'est Nawaki qui vient clôturer les débats dans cette manche numéro 7, permettant à lui et ses coéquipiers de mener à présent sur le score de 5 à 2. Les joueurs des SNKZ qui continuent d'enchaîner leurs adversaires des clutch et sniping qui n'arrivent pas à rentrer dans cette carte. Aïe 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 aïe, que dire des clutches. Des clutches que j'avais dit pourtant favoris dans cet événement, dans cette finale, et qui là sont en train de vraiment de se faire complètement outgun face à une équipe des SNKZ surprenante et vraiment très très agressive. On nous a dit tout à l'heure sur le chat qui dominait les débats, les joueurs des SNKZ depuis quelques années sur la scène Call of Duty, en tout cas en termes d'e-sniping, qu'il a été pris de part et d'autre. On va essayer de remporter cette carte hein, du côté des joueurs des SNKZ, mais sans compter sur Péchi. Péchi qui vient prendre le meilleur sur Datsu. Les joueurs de cette équipe des clutch maintenant qui vont essayer de tenir leur ligne. Alors voilà le bon kill hein, de Choc, le bon timing surtout pour Choc. Nawaki se retrouve complètement seul. Il va rusher ses adversaires, il va prendre le premier kill. Le deuxième kill de la part de Nawaki. Attention, Nawaki peut-être en train de réaliser le 1v3. Ouh. Ça passe pas loin pour Nawaki. Mais ce sont les joueurs des clutch et sniping qui remportent cette 8ème manche. Ça passe pas loin, attention. Il a eu chaud dans cette phase de jeu. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs des clutches. Il ne faut pas leur laisser un seul espace. Et les joueurs des SNKZ qui ont leur soutien entre leurs mains, en tout cas leur vie entre leurs mains, pour pourquoi pas aller remporter cette SND. Cette carte peut être déjà définitive, en tout cas dans ce best of 5. Ah, Péchi qui vient prendre le meilleur sur Datsu. Le bon kill encore une fois de Péchi. Péchi joueur très agressif au niveau des soutes avec son sniper. Nawaki qui prend le meilleur justement sur Péchi. Oh, ça passe pas loin pour Zido, mais ça ne passe pas. Zido qui va un peu courir derrière son adversaire. Le bon kill de Nawaki. Oh, Zido qui veut être gourmand et qui va marquer ce kill et marquer son territoire. Natsu qui vient de voir son adversaire derrière lui. Natsu, il vient prendre le bon kill sur Zido. Il va enchaîner pourquoi pas le deuxième kill. Oh, ça passe pas loin pour Natsu. On se cherche un peu et c'est Zido qui va faire le double kill pour cette équipe des clubs. Et sniping qui semble de rien lâcher. Pardon, excusez-moi. Pas Natsu là, quelqu'un. C'était Natsu là, quelqu'un. Excusez-moi, je crois que c'était. Ah ouais, ça doit être Natsu hein, qui fait cette killcam pour cette équipe des clutch sniping. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Tout le monde joue à la cog. Et les joueurs de cette équipe des SNKZ qui voient le retour des joueurs des clutch sniping dans cette SND avec Choc. Choc qui va pouvoir, pourquoi pas, agresser au niveau de ce BPA. Il va tenir sa ligne, hein. Il va attendre que lui et ses coéquipiers prennent l'open kill. En tout cas, on va se positionner. Vulka en profite pour prendre l'open kill face à Avenchi. Cette SND qui se rééquilibre. Hein.
On sait qu'il est passé juste derrière du côté de Natsu. Natsu qui prend le meilleur sur Pesci. On complique la situation des joueurs des clutch. Et le bon kill de Nawaki encore une fois. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Shock. Shock, il est en position de cette bombée. Voilà. Avec la COG. En duel longue distance, c'est forcément ça la différence. Et ce sont les joueurs des SNKZ, moins 20, qui s'imposent dans cette SND à présent. Et qui mènent à présent sur le score de 2 à 0. Les joueurs des clutch et sniping maintenant deux au mur, contraints d'aller remporter les trois prochaines cartes s'ils veulent remporter ce tournoi anniversaire des sniping home. 100 euros à gagner, je le rappelle. On dit que la COG doit être bannie, c'est nul. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Au niveau de la COG, ça se joue beaucoup plus sur des duels court distance. Quand on n'a pas la COG, c'est des armes longue distance. Donc du coup, en fait, en termes de deserto, si on rappelle un peu le deserto, le viseur à COG, en tout cas, peut être mélangé un peu avec une SMG et la R avec sans viseur à COG en tout cas. Pour moi, c'est mon avis. Je ne sais pas, en tout cas, pour un niveau compétitif sur les sniping, je ne connais pas forcément plus que ça. Donc voilà, c'est mon avis personnel que je vous donne. Là maintenant, nous allons partir sur une nouvelle carte en tout cas. Ce sera, il me semble, une CTF qui aura lieu sur London Docks entre ces deux équipes à présent. Ozari tuto, ouais, ça va être ça quasiment. Et si vous voulez aussi retrouver la rediffusion de ces matchs tout du long de l'après-midi, elle sera mise sur YouTube, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Dans quelques heures, bien sûr. Je pense pas qu'elle sera disponible ce soir. Les rediffusions sur Twitch sont réservées aux tout particulièrement qu'aux subs pour justement attirer la communauté un peu plus sur mon YouTube. Voilà, ça c'est la petite info. C'est pour ça qu'on a mis les subs sur Twitch pour voir les rediffusions. C'est pas forcément en termes d'argent. Je vous dis pas du tout de me sub. Si vous passez pour la première fois, ne vous sub pas sur ma chaîne Twitch. Tout est remis sur YouTube où vous pourrez revoir beaucoup plus ces rediffusions, beaucoup plus souvent que ce soit en termes de deserto. Là voilà, c'est la première fois que je commande de l'e-sniping. Ça dépend quel style de jeu tu joues. Ça dépend si tu joues, t'es plus un joueur qui est habile en longue distance, ne vaut mieux pas jouer avec la COG. Si vraiment tu es beaucoup plus habile dans des endroits à courte distance, comme voilà, comme sur US Texas dans les suits, vaut mieux jouer à la COG. Après, c'est mon avis personnel. Non, voilà, c'est pas justement, c'est exactement ça. C'est pas du tout pour l'argent. Je veux pas justement que les gens ils s'abonnent à ma chaîne. Je veux justement qu'ils aillent voir juste sur YouTube pour la simple et bonne raison que les rediffusions sont beaucoup plus longues. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça, car voilà, on sait très bien que sur YouTube, il me semble que c'est 30 jours les rediffusions. C'est exactement pour ça que je les ai mis sur YouTube. Et que dans, par exemple, un mois, si vous voulez revoir votre match ou quoi que ce soit, vous pourrez le revoir, bien sûr. Moi, je suis pas genre sniping, je m'y connais pas du tout. Donc du coup, voilà quoi. Après, je sais pas, il faudrait peut-être demander aux joueurs. Je pense que les joueurs seraient plus à même de répondre, en tout cas en termes de sensibilité, des joueurs qui sont sur le stream comme les Clutch ou même les SNKZ. Pardon. Et du coup, on va pouvoir partir sur cette capture de drapeau sur London Docks. Je pense qu'au sniper, ça risque d'être vraiment très très compliqué cette carte. Moi, en termes de caster, j'ai pas forcément pu la voir, pu la commenter. Pour le moment, ce sont les joueurs des SNKZ qui dominent les débats. Attention tout de même à ces joueurs des clutch sniping qui peuvent se wake up sur ce type d'exercice, la capture drapeau. C'est vraiment un exercice mélangé un peu entre le point stratégique et les SND. Je m'explique pourquoi mélanger entre les deux. Pour la simple et bonne raison que on doit prendre le temps en phase de team play à agresser en équipe, etc. Un peu comme les SND. Et ensuite, prendre le temps, voilà, comme la SND, et agresser et rapidement se positionner comme dans un point stratégique. C'est pour ça que je fais un peu la différence entre les deux. Et maintenant, nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs des SNKZ qui vont tenir. Voilà, Natsu qui ont complètement défoncé Natsu, mais attention, la bonne double kill a proposé par Avenchi, le moins 3 de la part de Avenchi qui vient complètement hotgun hein, ses adversaires des SNKZ. Maintenant, on va pouvoir toucher le flag hein, par Pesci. Dido qui va se positionner au niveau du cut, peut faire la différence, mais il va tomber sous la balle de Avenchi. Voilà, le mauvaise strat hein, de Pesci qui aurait peut-être dû partir au niveau de ce cut.
va changer les POV trop, changer les POV. Natsu qui va essayer de se positionner. Oh là là, Natsu qui va s'emparer du flag. Peut-être le double kill. Oh là, il va être très bien épaulé par Choc. Oh attention, on est en train de ramener un flag hein, du côté des clutches. On a été peut-être un peu laxiste du côté de cette équipe des SNKZ. Vulka qui est en train d'attendre hein, ses adversaires. Il va s'emparer du flag, pourquoi pas Vulka. Oh, Vulka il va s'emparer du flag, il va essayer de s'échapper. Le double kill a pris par Zido. Zido qui peut faire la différence avec un triple kill. Oh, il est bien épaulé par Nawaki. Peut-être le flag ramené. Et 1-0. 1-0 pour les joueurs des clutches. Mais que ce fut dur pour cette équipe des clutches. Mais attention, la contre-attaque est en train de s'organiser de manière pour Zido. Il va être accompagné. Il me semble que c'est Vulka qui slay le cut. Il a pas vu ses adversaires passer derrière lui. Hein. Et à partout. À partout. Pas agresser directement du côté de cette équipe des SNKZ. Avec Natsu et Zido qui font les bons kills à présent. Le bon moins 3 claqué par cette équipe des SNKZ. Ah, Natsu il est en phase de sneak. Il peut faire très mal, Natsu. Il peut faire très mal. Et là voilà, il a un cog, il est en duel courte distance. Normalement, il doit remporter son duel courte distance face à son adversaire. Et 2-0. 2-0 en faveur les joueurs des SNKZ qui inversent la situation en leur faveur dans cette capture de drapeau complètement folle. Ils sont en train de mettre le système de relais en place avec Nawaki qui vient prendre le meilleur sur Pechi. Et les joueurs des SNKZ qui semblent. Parti dans un système de relais complètement fou. Les joueurs des clutch qui n'y arrivent plus. Datsu qui se met en système de pour carrément spawn kill ses adversaires. Et voilà, on voit Datsu. Datsu il est très très haut. Il va tomber sous la balle envoyée par Natsu. 3-1. À peine la moitié de la première mi-temps de cette capture de drapeau. Les joueurs des SNKZ qui marquent leur territoire face à une équipe des clutch et sniping en difficulté. On est en train de jouer, hein. Vulka il joue vraiment intelligemment, il a attendu que son adversaire vienne le rush pour éviter de se faire back. Dans un premier temps il a retrouvé le soutien maintenant de Zido. Zido qui tient la ligne, Vulka qui est en train de passer maintenant. Voilà les bons qu'il a pris par Zido et là-dessus. Voilà, on voit que Vulka il a été très intelligent dans cette phase de jeu. Il a attendu son coéquipier vienne de le slay au niveau du middle card pour aller surtout mettre ce flag. C'est vraiment très très bien proposé. Ouais, malheureusement Nawaki vient de faire un double kill défensif très solide face à Banshee qui avait proposé aussi son aide en phase offensive. Nawaki qui ajuste son scope et prend le meilleur sur Apeshi. On voit les différentes strats que peuvent adopter ces deux équipes. On est très défensif et on essaye de repartir très très au niveau du middle card du côté des joueurs des clutch pour aller beaucoup plus rapidement sur les flags adverses. Mais du côté des joueurs des SNKZ, on est très latéral. On attaque dans un premier temps les lignes. Oh là là, quel turn de la part de Zido qui vient complètement manger à Choc. Il n'a absolument rien pu faire. Il demande rien les joueurs des clutch. Et là, vraiment, ils sont en train de se faire complètement slay face à une équipe des SNKZ qui sont en train de manger leurs adversaires. Voilà, encore une fois, le spawn kill mis en place hein, par Vulka qui n'arrivera pas à se défaire de Choc cette fois. Choc qui va avoir un nouveau duel. En général, qui joue avec un sniper courte distance, en tout cas avec le viseur à cog. Datsu qui s'empare du flag et qui est en train de s'échapper. Et les joueurs des clutch eSports qui semblent en passe de remporter de perdre cette capture de drapeau. Grosse domination proposée par les joueurs des SNKZ, à moins que Natsu et Pechi font le travail à présent. On part chat l'adversaire d'Atsu, il va prendre le bon kill assez sur Pechi, il va tomber sous la balle de Natsu. On va essayer, pourquoi pas, de mettre un système de relais en place du côté des joueurs des clutch pour essayer de revenir. Mais voilà, on essaie peut-être de griller un peu les étapes. Et Natsu et Choc font le travail. Attention tout de même à Zido. Zido qui vient de proposer un kill offensif et qui peut faire la différence à présent sur le porteur de flag. Et Zido il va réussir quand même à prendre le kill. Mais il me semble qu'il a reset ce flag. Et on va rester sur un système de 5-1, 5-1 pour le moment en faveur des joueurs des SNKZ qui dominent encore une fois le slay face à leurs adversaires des clutch qui ne peuvent pas sortir de leur spawn et qui essaient de relancer. Mais voilà, on est trop haut sur la carte hein, du côté des joueurs des SNKZ. Le bon kill de Natsu, la bonne revenge est proposée par Nawaki. Et Nawaki qui s'empare de ce flag, qui a essayé de le sortir plein mid, mais qui va tomber sous la balle envoyée par Pechi. Voilà, ça ne suffira pas. Vulka va être encore une fois présent pour cette équipe des SNKZ. Il s'est emparé du flag. Vulka, il va vouloir gourmand aller chercher le spawn kill, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous la balle de Choc. Et on va rester sur un score de 5-1 à la mi-temps en faveur des joueurs des SNKZ face à leurs adversaires des clutch et sniping. Sur YouTube, la qualité est dégueulasse, c'est dommage. Le D-Jumper. Après, voilà, on peut pas. On peut pas forcément mettre une grosse. Parce que je suis en 720p. Je suis en 720p, c'est ça. Je suis pas en grosse qualité en fait. Je peux pas streamer en grosse qualité. Donc, du coup, c'est un peu dommage, mais ouais.
Et pour le moment 5 à 1 en faveur de cette équipe des SNKZ. L'open qui prépare Natsu. Voilà, ça passe pas loin pour notre ami Datsu. Attention, Nawaki qui va faire le double kill et qui contrôle le stairs en compagnie de Zido. On va pouvoir agresser cette équipe des Clutch qui est en train de respawn avec Pêchi. Pêchi, il vient prendre le bon kill là sur Zido. C'est très intéressant parce qu'on voit que les joueurs ont l'habitude de se faire spawn kill ou autre. Et du coup, on spot directement l'endroit où peuvent être leurs adversaires. C'est vraiment toujours intéressant de voir ce que peuvent nous proposer, même dans une situation défensive, les équipes. Et là, Datsu qui vient de contrôler le cut. Datsu qui va pouvoir agresser et se préparer, pourquoi pas, un spawn kill. Il sait que maintenant ses adversaires sont en train de respawn au niveau du bas. Il va s'emparer du flag, il va essayer de contrôler. Voilà, c'est un peu gourmand, je pense, de la part de Datsu là. Voilà, il va tomber sous la balle de choc. Très vigilant, les joueurs de clutch pour le moment dans cette phase défensive. Ils vont essayer de ramener le flag. Ouais, c'est compliqué la situation. Oh, 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 quel kill avec la caméra qui bouge dans tous les sens, hein, pour choc. Grosse sensibilité pour le joueur des clutch qui permet à son équipe de revenir à 5-2. Les joueurs des clutch qui ne sont guère loin de leurs adversaires. On avait vu un système de slay mis en place par les joueurs des SNKZ. Mais attention, hein, les joueurs des clutch qui ont l'air de reprendre du poil de la bête face à leurs adversaires. Voilà, choc et Avenchi qui font le double kill offensif. Le side aussi préférentiel pour les joueurs des clutch qui sont en train de ramener un flag au niveau du middle card. Avec choc, on fait un peu de bruit. Enfin, vu le cas qui est toujours là, hein, attention, il vient de prendre un bon kill. Que va-t-il nous proposer, Vulka? Il s'est emparé du flag, bien sûr, il va le sortir en compagnie de ses coéquipiers. Il va falloir être solide dans cette phase défensive pour les clutch. Partir au niveau de ce petit camion. Zido qui propose un kill encore une fois sur Pêchi. On va essayer de partir dans cette situation de flag to flag. Voilà, le temps il tourne en faveur des joueurs des SNKZ. Ce sont les joueurs des clutch qui doivent faire le spectacle maintenant et qui doivent agresser leurs adversaires. On voit Vulka, il attend complètement ses adversaires. Et c'est peut-être pas forcément l'endroit où il faut attendre ses adversaires. Voilà, il va ramener ce flag. On a réussi à ramener le flag du côté des joueurs des SNKZ. On va mettre le relais en place avec Datsu. Datsu qui est complètement sur leur vie et qui ne pourra rien faire et qui va tomber sous la balle envoyée par Avenchi. Les joueurs des clutch e-sniping qui sont en train de ramener un nouveau flag. 6 à 3. Au terme de la moitié de la deuxième mi-temps de cette capture de drapeau, les joueurs de SNKZ qui mènent toujours la danse face à leurs adversaires des clutch sniping. Et qui sont en passe peut-être d'aller remporter cette finale du tournoi anniversaire de e-sniping. Oh, mais en tout cas, Vulka qui relance son équipe au niveau du middle card et qui essaye de contrôler en tout cas ce middle. Maintenant on va essayer de tenir les lignes, hein, du côté de Vulka. Il vient de voir 1, 2, le troisième adversaire, premier adversaire. Pour Vulka, il va tomber tout de suite head revenge par Natsu. C'est bien retourné. On va changer quelques modalités. Attention, on sait qu'on a un adversaire dans le spawn. Et oh là là, la cog qui ne passe pas. Le coup d'Akog pour Natsu. Zido qui s'empare du flag et qui essaye de s'échapper et qui va tomber sous la balle de Avanchi. Pêchi qui s'est emparé du flag adverse. Qui va être accompagné de son coéquipier au niveau du middle card. Menawaki qui va essayer de contre-attaquer. Ça risque d'être compliqué à prendre Nawaki. Voilà, on voulait être gourmand du côté des clutch. Il faut pas fail sa balle. Et voilà, ils arrivent à ramener le flag. Et sûrement 6 à 4. Voilà, 6 à 4, attention. Mais 6-3, pardon, Vulka il s'est emparé du flag. J'avais pas vu. C'est Vulka qui s'est emparé du flag et qui s'échappe au niveau du cut. Il est un peu chassé par son adversaire. Oh oh oh. Mais quel kill de la part de Vulka en prenant le meilleur sur choc. Il sait qu'il est chassé, Vulka, il va se cacher dans le corner. Peut-être un nouveau kill de la part de Vulka. Vulka qui n'arrivera pas à se défaire de Natsu. Pêchi qui va pouvoir ramener ce flag. Et 6-4, les joueurs des clutch qui vont essayer le tout pour le tout à présent avec Shock et Pêchi. Avenchi qui essaie de contrôler le middle card. 6-4, 45 secondes à jouer. Il va falloir être très rapide et enchaîner les kills au niveau du middle card pour cette équipe des clutch et e-sniping s'ils ne veulent pas perdre cette carte et perdre cette finale. Ah, Nawaki trop présent. Nawaki trop présent défensivement. Ah, il faut pas jouer les kills du côté des joueurs des clutch. Il aurait fallu agresser 6 à 4. Voilà. Oh là là, quel kill de Avenchi en phase défensive sur Datsu. Mais ce sont les joueurs des SNKZ qui ont été plus forts dans cette finale d'ODC, de finale de tournoi des e-sniping home. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Que ce soit joueur, que ce soit viewer ou même organisateur. Mais quel kill encore une fois de la part de Natsu. Zido qui s'est emparé du flag, qui va essayer de le sortir au niveau du middle. Ouais, il va se faire un peu surprendre par Natsu qui vient de le turn de magnifique manière, Natsu. Et voilà, quelle finale en tout cas entre ces deux équipes.
entre les joueurs d'SNKZ-20 qui s'imposent dans cette finale de tournoi e-sniping home géré par Glory4Gamer, en tout cas que nous remercions de nous avoir permis de commenter cet événement. Et voilà, victoire des joueurs d'SNKZ-20 face à leurs adversaires des Clutch Sniping sur le score de 3 à 0. Deux très belles line-up qui a tourné en faveur des joueurs des SNKZ. Et du coup voilà. Voilà, c'était merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette finale d'événement. Si vous voulez revoir voilà, certains de ces matchs que j'ai commenté cet après-midi, tout sera retransmis sur YouTube. Normalement, demain matin, j'identifierai du coup Glory4Gamer et du coup ODC. Non, c'est e-sniping. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et on se retrouve lundi prochain à 21h pour un tout nouveau cast. À lundi! Bye bye.